Salut à tous et bienvenue dans le box avec David Rosenal. Et Lolo. Comment dit-on bonjour en tchèque? En tchèque. Dobrý den. Dobrý den. Non. Dobrý den. Dobrý den. Non. Dobrý. Dobrý. Den. Dobrý den. Oui, exactement. Très bien. Quel est le cadeau le plus mignon offre à madame? Offert à madame. Offert à ouais. Madame. À moi. Toi? Ouais. Tu t'es mis un petit nœud sur la tête et ouais, hop, cadeau. Un petit peu comme ça. Des plusieurs. Lolo, j'ai une question pour toi. Hi. Je te vois venir tous les matins avec des griffures, une fois sur le nez, une fois sur la joue. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu parce que j'ai peur pour toi et ce qui se passe à la maison. Donc voilà. Confie-toi, n'aie pas peur, lâche-toi et puis après ça ira mieux. Ouais, je me confie. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, je reviens souvent avec des griffures. Un peu partout, c'est mes petites jumelles, peut-être que je leur coupe pas assez les ongles. Mais il y a une fois où c'est mon téléphone. Par contre, c'est de ma faute, je l'ai fait tomber sur ma tête, donc c'est un peu bizarre. C'est difficile à vous dire comment ça s'est passé, mais bah, chacun voit ce qu'il veut. Mais non, tout se passe bien à la maison. Hein, ça va. J'ai 86 ans et vous trouve sexy. Aimez-vous les cougars? C'est quoi, cougar? C'est vieux. 86 Ouais, pas au-delà, pas 87. David. Ouais. C'est quoi? Qu'aimes-tu chez Laurent? Et inversement. Moi, il est joli. Il est sexy. Non, il est beau mec, grand professionnel. Il est encore beaucoup plus professionnel que moi, je crois, encore plus. Et surtout, c'est un mec honnête, loyal. Généreux à tout moment et... la petite larme. Laurent, premier tour de la Coupe de la Ligue 2000-2001. Amiens 4-2. Oh là là, attention. Raconte-nous l'ambiance dans le vestiaire à la fin du match, avec le petit chaud, normal. Claudio, j'ai joué avec Claudio et... Alors Claude Fichot, c'est un de nos entraîneurs adjoints avec Fred Bompard. Il fait partie du staff technique. Et en fait, moi, je commençais à faire mes premiers matchs en professionnel, en Ligue 2. Et je me rappelle d'un ballon en profondeur où malheureusement, l'attaquant m'a juste tapé dans le pied du talon, en fait, dans le talon. Et ça, j'ai pas pu ajuster ma passe au gardien, donc une passe en retrait toute simple. Et le ballon a mal été ajusté et l'attaquant est passé et a marqué. Et derrière, j'ai pris une soufflante dans le vestiaire, de la part de Claude d'ailleurs. Et c'est vrai qu'au niveau émotion, j'avais lâché quelques larmes et tout, c'était compliqué. Bon, quand on a 20 ans, c'est pas simple. À chaud, c'était compliqué, mais le lendemain, tout a été remis en ordre et tout. Et voilà, mais bon, ça fait partie aussi des anciens et c'est bien aussi qu'ils tapent un petit peu dans la fourmilière, on va dire. Bon, Lolo, c'est bien beau, tu nous as raconté tes exploits du Mans. Maintenant, raconte-moi un petit peu ce match avec Monaco que tu as joué ici au Stadium Nord, notamment face au petit Belge, là, tu sais, Eden, là, t'en souviens? Allez, ciao, Lolo. Je crois que c'est le match où j'ai le plus souffert en 1 contre 1. Au début de première mi-temps, je pense que ça n'était pas si mal. Puis c'est en deuxième, je sais pas, il s'est mis à accélérer. Il a dû manger des frites à la mi-temps, Eden. La faute, mais Lillois garde le ballon avec Sow. Oh là là, Hazard qui s'est sorti du marquage. Eden Hazard qui accélère là-bas côté droit. Eden Hazard, continue Eden. Vas-y tout seul là-bas côté droit. Le centre d'Hazard peut-être. Ils sont déjà tous là, les Monégasques. Hazard encore. Hazard, le centre, la frappe. Ah, c'est fini, malheureusement, c'est dégagé. Mais quel déboulé d'Eden Hazard encore une fois. Après, il n'y a pas que moi qui ai souffert hein, sur ce match. Mais c'est vrai que j'ai pris quelques crochets, quelques accélérations. Et bon, voilà. Hein. Merci Rio en tout cas.